Aïe, c'est votre Joachim. Bonjour, monsieur Joachim. Salut, Diva. Tu sais déjà pourquoi je t'appelle, n'est-ce pas? Oh oui, je sais, oui. Oh, monsieur Joachim, je vous en prie, donnez-moi un peu plus de temps, s'il vous plaît. Écoute, Diva, je n'ai pas de patience avec toi, non. Je veux que tu paies ton loyer en retard. Il y a des gens qui veulent louer et je fais des pertes à cause d'eux. Non, Joachim, mais je paierai pour tout. Je sais, 6 mois d'arriéré de loyer. C'est lourd, mais j'ai dû dépenser beaucoup d'argent pour ma mère, pour son hospitalisation, pour les médicaments, ce n'était pas facile. Je suis en train de poursuivre, je vais tout payer avec les intérêts, la correction monétaire, monsieur Joachim, pour l'amour de Dieu, ne m'expulsez pas. Parce que je n'ai rien à voir avec ta vie, non, trouve un moyen. Je fais mon truc, monsieur Joachim, je le fais même. Équipe de nuit. Tout pour vous payer, mais s'il vous plaît, monsieur Joachim, ne me largue pas, ne me largue pas. Votre conversation est ennuyeuse, vous ne pouvez même pas payer pour 1 mois, et encore moins 6. Tu sais quoi? Je n'ai plus de temps à perdre avec toi. Vous avez jusqu'à demain pour sortir vos affaires. Mais, monsieur Joachim, à demain? Non, je n'ai nulle part où aller. Monsieur Joachim, oh, monsieur Joachim. Je n'ai plus de conversation avec toi. Au revoir. Non, monsieur Joachim, revenez ici. Ne me rebutez pas, monsieur Joachim. Ne me laissez pas vous le dire. Monsieur Joachim, je vais être désespéré. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire maintenant de ma vie? Est-ce que tout va bien, Diva? Oh oui, désolé, d'accord? Diva, oui. Je sais que tu es occupée, mais peux-tu ramasser les vêtements de la corde à linge pour moi? Non, oui, monsieur. Vous pouvez me laisser le récupérer. Merci. Et Diva, est-ce que tout s'est bien passé avec la tenue? Oh, oui, monsieur Clay, tout s'est bien passé. Endossement, je voulais vous demander une autre faveur pour que vous apportiez les vêtements à cette adresse ici. Oh, si vous voulez noter l'adresse. Oh oui, je vais l'écrire. Endossement, oui, je peux prendre. Endossement, j'ai laissé la journée sur la table pour que tu obtiennes une voiture via l'application. Et, eh bien, quand vous y arriverez, le client vous recevra déjà. Endossement. Merci de m'avoir permis de bien faire les choses. Endossement. Je vous remercie. Oh, est-ce que c'est l'adresse juste ici? Cette maison ici, oh, est... Salut, Diva. Salut, patron. Vous êtes arrivé ici facilement? Ah, tout s'est bien passé, oui. Oh, c'est bien. Diva, je pensais ici. Pouvez-vous aussi nettoyer cette maison? Pouvoir. Mais c'est gros, hein? Eh. C'est chaque pâté de maison, cette maison. Vous nettoierez cette maison ici, mais seulement lorsque vous aurez du temps libre pour vous. Que entendez-vous par temps libre? Oh Diva, je suis désolé d'avoir entendu cette conversation, mais vous êtes expulsé, n'est-ce pas? Voilà. Oh, patron, ouais, je me fais larguer, je ne sais pas où je vais. Je dois 6 mois de loyer, ma mère. Ma mère est hospitalisée, j'ai épuisé les médicaments pendant tous ces mois et... La situation est devenue difficile et... Désolé, je ne voulais pas partager cela avec vous. J'ai honte. Ne t'inquiète pas, Diva. C'est très triste. Mais, d'accord. Allons voir la maison, alors? Allez, on va voir, oui, monsieur. Alors, Diva, que penses-tu de la maison? Monsieur Kléber, quelle belle maison. C'est génial, hein? Oui, assez spacieux, n'est-ce pas? Merveilleux. Le vôtre est également merveilleux, mais celui-ci, c'est tellement merveilleux. Mais quelle grande maison, elle occupe tout un pâté de maison. Regardez. Elle est vraiment grande. Cette maison ici, à nettoyer, ça va être un casse-tête. Je pense, monsieur Kléber, que je vais devoir vous facturer environ 150 reais pour faire un peu de ménage ici. C'est bon, Diva. Eh? Mais je ne comprends rien, monsieur Kléber. Tu m'as dit d'apporter des vêtements ici. Qui le recevra? En fait, tout cela n'était qu'une excuse pour pouvoir vous amener ici dans votre nouvelle maison. Nouvelle maison? Qui? Votre nouvelle maison. J'ai vu cette situation et je voulais vous aider. Waouh, monsieur Kléber, mais ce n'est pas votre problème, non. Je ne veux pas que tu t'inquiètes pour moi, non. Tu ne peux pas le faire pour moi. Diva, tu es avec moi depuis 10 ans. Je connais votre combat. Vous le méritez d'ici et plus encore. Il vous a donné 24 heures, n'est-ce pas? Oui. On m'a donné 24 heures pour partir et je ne sais même pas où je vais pouvoir aller, non. Mais... Non, si vous voulez, vous pouvez apporter vos affaires ici. Monsieur Kléber, mais... Le Seigneur n'existe pas. La clé de votre maison. Mais, monsieur Kléber, tu es une bénédiction dans ma vie, voyez-vous?
Tu ne sais pas ce que tu fais pour moi, non. Ne t'inquiète pas, Diva, vous pouvez toujours compter sur moi. Mais, Monsieur Kléber, je n'ai qu'à vous remercier. Tu es un ange. D'accord, Diva, je vais régler les choses et tout me le fera savoir, d'accord? Endossement. Merci. Je ne sais pas quoi dire. Seigneur, merci beaucoup. Le Seigneur a pourvu à ma vie. Vous. Bénissez-moi de cette façon. Je ne me sens pas digne de tout cela, Seigneur. Mais le Seigneur veille sur moi et je n'ai qu'à te remercier, Seigneur.